Alors, nous sommes le mardi 12 mars 2024. Nous sommes en soirée. Vous voyez, les viennoiseries sont presque toutes terminées. Eh bien, d'ici quelques heures, 14h35 minutes et 36 secondes pour être très très précis, on va se retrouver à l'IT Partners. C'est la nouvelle édition, l'édition donc 2024. On va se retrouver avec nos jolis petits micros pour interviewer eh bien, nos partenaires, que ce soit des fabricants, des éditeurs, des fournisseurs et même certaines sociétés avec lesquelles nous ne travaillons pas encore. Mais on a trouvé leur activité intéressante, donc on va faire une petite interview avec eux et on va aller voir un petit peu les produits qu'ils ont à nous proposer. Bon, il y a des sociétés avec lesquelles on travaille déjà depuis un petit moment. Alors par exemple, vous avez TP-Link. TP-Link est une société très connue et reconnue dans le monde du réseau. Bon, bah ça sera mercredi à 11h tapante. On va aller voir Fares qui va nous parler un petit peu de la gamme et plus précisément du Wi-Fi 7. Donc assez intéressant parce qu'on arrive juste dans le Wi-Fi 7. C'est un petit peu le nouveau Wi-Fi à la mode, on va dire. Après, on va aller voir Snom. Alors Snom, grand fabricant allemand de téléphones. Et là, ils ont une toute nouvelle gamme de téléphonie sur IP à nous présenter. Donc là, c'est Noémia qui nous accueille sur le stand. On va suivre après à mercredi 13h30. Là, ça sera sur le stand de Kenetic. Kenetic, eh bien, c'est justement, je vous parlais de Wi-Fi à l'instant. Là, c'est une autre société qui fait du Wi-Fi et qui fait des appareils, on va dire, un petit peu évolué dans la recherche d'une très très bonne qualité de couverture Wi-Fi. Et donc, eh bien, c'est Stéphane qui va nous parler un petit peu des gammes de chez Kenetic. Ensuite, nous allons aller chez notre partenaire historique. Je ne veux pas dire préhistorique, hein, j'ai dit historique. C'est Eaton. Eaton, c'est François qui va nous accueillir. Et alors, entre autres choses, il va nous parler d'énormes barres de PDU, des PDU qui servent tout simplement à alimenter tout le matériel réseau qu'on peut avoir dans des baies. Alors ça, il va nous en parler très très bien. Donc là, pour l'instant, je vous en dis pas plus. Nous allons retourner voir, bien évidemment, Chéri qui a une nouvelle gamme de claviers. Alors, eh bien, Marie-Laure va nous en parler comme chaque année. Et bien évidemment, c'est une gamme un peu orientée gamer. Alors nous, c'est pas trop cette gamme-là qui nous intéresse, mais bien évidemment, dans les produits de chez Chéri, il y a toute la gamme entreprise. Donc on va parler un petit peu évidemment de la gamme entreprise de chez Chéri. Ensuite, nous allons aller voir StormShield. Là aussi, un petit peu le partenaire de sécurité historique de Carpe Diem, rendez-vous compte, ça fait pas loin de 24 ans que nous travaillons avec eux. Bah, tout simplement, on a commencé à travailler avec eux, c'était en 2000, alors à l'époque ça s'appelait Netask, mais peu importe, 2024 c'est StormShield. Eh bien donc, on va rencontrer Thomas qui va nous parler de nouvelles gammes et puis il va nous donner un petit peu des infos sur qu'est-ce que va pouvoir offrir comme sécurité StormShield au niveau des entreprises, comment StormShield va pouvoir protéger le patrimoine numérique de nos entreprises. Et en ce moment, vu le climat d'insécurité avec les nombreuses attaques en cyber qu'il peut y avoir en ce moment, eh bien c'est quand même plutôt important d'avoir l'avis du numéro 1 français et peut-être même européen de la sécurité dans tout ce qui est appliance de type firewall. Mais ils ne font pas que ça hein, chez StormShield. C'est justement Thomas va rentrer un petit peu dans cette gamme de produits. Alors ensuite, nous allons aller voir Jabra. Jabra, alors ça sera le jeudi et Jabra va nous parler de toute la nouvelle gamme qui arrive chez Jabra, que ça soit en intra, que ça soit en téléphone de vidéoconférence, pour des open space par exemple. Donc Anthony va nous parler de la nouvelle gamme des produits chez Jabra. On va aller ensuite encore chez un partenaire historique, c'est Synology. Nous sommes extrêmement contents d'aller voir Synology parce que l'année dernière, on les avait ratés, on n'avait pas pu se voir sur le salon. Là, cette année, eh bien, c'est Maxime qui va nous accueillir sur son stand. Eh bien, il va nous parler un petit peu de tout ce qu'ils peuvent apporter en termes de sauvegarde, en termes de cybersécurité et en termes de stockage, bien évidemment, parce que Synology, ce sont des NAS. Donc, ça fait aussi évidemment du stockage. On va aller, bien évidemment, chez BIMO, qui va nous parler de réversibilité au niveau du cloud. Et oui, parce que beaucoup d'entreprises sont allées dans le cloud, mais il y a aussi des entreprises qui cherchent à s'assurer d'un retour possible et aussi, surtout, d'une sauvegarde qui soit située en dehors du cloud. Parce que mettre, en quelque sorte, tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire vos serveurs en cloud, vos data en cloud et vos sauvegardes en cloud, vous avouerez que ça fait peut-être un peu beaucoup. Et la sécurité est sans doute de récupérer vos data, on va dire, sur site, chez vous. Et bien, c'est une offre que va nous présenter Mélanie.
Au niveau des nombreuses offres de chez BIMO, il y a l'offre Cloud to BIMO. Elle nous en parlera très très bien demain. Alors, on va aller ensuite chez VAD. Alors VAD, grosse actualité actuellement sur VAD. Eh bien, ils se sont rapprochés de Hornet Security, groupe allemand de cybersécurité, on va dire, mais plutôt orienté data, c'est-à-dire tout ce qui va être sécurisation de vos emails. Il se trouve que Hornet Security a déjà des acteurs d'anti-spam dans son catalogue. Veid vient de les rejoindre. Alors, la présentation qui nous est faite, c'est que c'est une sorte de partenariat. Bon, ce qu'on a pu lire quand même, nous, entre autres sur le site d'Hornet, mais aussi dans les diverses newsletters, c'est qu'il s'agit quand même du rachat de Veid. Alors, on va leur demander justement quelle est cette nuance qu'ils apportent entre une simple acquisition et un partenariat qui est monté donc avec Hornet Security et la société Veid en France. Voilà. Donc, beaucoup de choses à se dire au niveau de Veid. Et pour quasi finir, eh bien, nous allons aller voir IAMA. IAMA, grand fabricant, s'il en est un, d'écrans, mais alors d'écrans de toute taille, des écrans tels que celui-ci, mais aussi de plus gros écrans encore, et puis de plus petits écrans pour des gamers, des écrans pour le milieu du tertiaire, que ce soit pour travailler sur des plans, donc là, vous allez être avec des grandes dimensions malgré tout, et aussi des gammes, bien évidemment, pour aller sur le bureau, pour aller faire de la bureautique classique. Et à travers tout cela, eh bien, il y a une démarche écologique dont va nous parler Frédéric. Frédéric va nous expliquer un petit peu où en est IAMA d'un point de vue éco-responsabilité dans la consommation de ces écrans, parce que ces écrans, bah, évidemment, il y a une énorme dalle, donc vous imaginez bien qu'en termes de consommation électrique, c'est quand même représentatif. Eh bien, IAMA a, dans une nouvelle gamme, a marqué quelques points sur les économies d'énergie. Donc Frédéric va nous parler de tout cela. Donc voyez, le programme est dense, c'est 2 jours d'interview, donc le matin et l'après-midi, et puis il y aura peut-être 2-3 surprises au milieu des interviews dont je vous ai parlé déjà. Pourquoi ? Bah parce que tout simplement, il y a quelques sociétés dont je ne peux pas vous parler tout de suite, mais qui nous ont dit, bon, normalement ça devrait être jouable, mais vu que c'est des grosses sociétés internationales, eh bien parfois c'est un peu plus compliqué de se mettre d'accord sur les contenus. Là, vous voyez, j'ai des fiches avec moi parce que les contenus, on va tout se dire, hein, les contenus ont déjà été préparés, on sait de quoi on va parler parce que 2 jours d'interview, vous ne pouvez pas les faire comme ça au feeling. C'est possible quand on les fait ici parce que là, on va dire qu'on a à peu près 1 heure, 2 heures devant soi. Là, ce sont de petites interviews qui vont durer entre 5, 10 et 15 minutes. Donc, il faut que ça soit sizé, il faut que... Bref, le planning est fait. Bref, en tout cas, il y a 2 sociétés, encore une fois, dont je ne peux pas vous donner le nom, mais qui vont peut-être se glisser dans ces 2 jours, et je serais extrêmement satisfait si je pouvais vous faire une petite interview des représentants de ces sociétés-là. Voilà, c'est ainsi que va se terminer cette vidéo. Donc, 14h26, on se retrouve à l'IT Partners. On va faire du mieux que l'on peut, et bien déjà pour vous fournir un contenu de qualité. L'année dernière, c'était moyen, on a eu quelques soucis techniques. Là, normalement, on a prévu le coup, ça devrait bien se passer. On verra bien, on va faire de notre mieux, et on va faire de notre mieux surtout pour vous les produire rapidement, parce que vu les soucis techniques qu'on a eu l'année dernière, et bien ça a été compliqué de les monter, ça a été compliqué de les publier. Cette année, ça devrait aller mieux, on va pouvoir vous les publier, j'espère, très vite. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Nous, on va aller se coucher très tôt, parce que demain matin, on prend le train très tôt. Cette fois-ci, il n'y a pas la grève des trains, donc c'est formidable, on va pouvoir y aller en train. Et puis, ben, on va beaucoup marcher parce que l'IT Partner, c'est une quinzaine de milliers de pas par jour. Bon, ben, c'est bien au niveau du sport, un peu moins bien au niveau de la fatigue. Donc, ce soir, on va se coucher tôt. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à très bientôt.